Mesdames, messieurs, bonsoir. Avez-vous comme moi remarqué quelque chose? Nous n'avons plus d'avenir. Est-ce que vous avez remarqué ça comme moi? Est-il arrivé à quelqu'un, présent ici ce soir, de rêver sérieusement un avenir pour lui et notre société? Notre belle société humaine? Je dirais dans les 3 derniers mois écoulés. Un vrai beau rêve d'avenir pour notre société? Est-ce que quelqu'un pourrait sérieusement me dire cela? Je ne crois pas. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu? Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, nom de Dieu. Et vite! Moi, j'en peux plus! Une idée? Un avenir! Vous êtes tous les gens dont c'est le métier? Dont c'est le boulot? Dont c'est les responsabilités? Quand même, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où, les gens qui êtes responsables des idées? Vous pourrez pas me refiler un peu de rêve, quand même? Qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Vous grattez le cerveau ou quoi? Mais ça se gratte pas, un cerveau. Ça se fait chauffer. Ça se fait bouillir et ça s'éclate et c'est tout. À coup de pensées fortes et bien constructives surtout. Et voilà, c'est tout. Moi, je veux rêver. Je vous le dis car j'y ai droit comme tout le monde. Je veux mon avenir. Je veux qu'on me donne mon avenir. J'y ai droit. Est-ce que quelqu'un ici pourrait prétendre que je n'ai pas le droit à mon avenir? Qui pourrait me dire en face que je n'ai pas le droit de rêver à mon avenir? Un bel avenir. Un avenir qui puisse m'enthousiasmer. Un rêve qui puisse me porter. Qui puisse m'emporter. Avec ses ailes. Ses grandes ailes. De l'optimisme, de l'euphorie et du plaisir vers mon avenir. Qui? Ah non, vraiment, on n'est pas contente. On n'est pas contente. On le dit.